Bonsoir, il est 10h du soir. Ah, Jibo, ça fait longtemps, oui, Gilbert, on est à tort. Comment vas-tu? Hi everyone, hello, welcome to No Filter. Actually, je me suis dit pour te dire welcome, it's been a long time. Et donc, ça a été un petit moment, mais je suis de retour. Malheureusement, tout ce que j'avais planifié pour voir avec vous, pour la fête des mères, la saison, graduation, etc., commune, etc., on n'a pas pu les voir. Donc, il y a certainement une très bonne raison pour ça. Mais je suis là. So, bienvenue. J'espère que je vous ai manqué parce que j'ai pensé à vous. Et je voulais reprendre avec un petit peu de fun. What's up with this? Avec un petit peu de fun, je sais que cette communauté aime bien les parfums. Donc, on va parler de mes recommandations parfums pour été. C'est bientôt l'été. Donc, printemps, été. De toute façon, nous sommes dans un pays chaud. Et je vais également profiter pour vous recommander ce qu'on appelle des signature scents, des parfums signature. Qu'est-ce que j'appelle parfum signature? What is signature scent? C'est les parfums que nous avons mis à n'importe quel moment du jour, de la nuit, peu importe, et ça fait l'affaire, vous n'avez pas de problème. Il y a des gens qui sont comme moi, qui sont des collectionneurs, il y a des gens qui aiment avoir une bonne petite quantité de parfums parce qu'ils aiment sentir bon, mais il y a des gens qui aiment une, deux, maximum trois parfums, and that's it. J'espère que je vais pouvoir donner plein de conseils, n'hésitez pas à partager, et que, so we have fun. So, let's get started. J'ai pris à la va-vite parce que j'étais sur un live. J'ai trois choses de parfum de mon shoeboxes. I put my perfumes in shoeboxes. Au départ, je voulais prendre 35, mais si vous montrez, nous sommes devant, par contre, si c'est 35. So, à notre texte, c'est 35. Donc, on va commencer. Je vais essayer de commencer par quelque chose que ces jours-ci, I've been dying for. Je ne sais pas pourquoi. Je vais commencer. Pour celui-là, Bulgari, et ça c'est Omnia Cristalline. Et pour moi, ça c'est. I know a lot of people want me to speak Creole or English. I don't know. I'm more of a French and English type of person. Please bear with me. Nicely, you can ask me to speak Creole, but really nicely, parce que si nous montons mal, souvent, ma commencé pas ensemble avec nous. So, let's do this nicely. Donc, ça s'appelle Bulgari. Omnia Cristalline, c'est une ligne de Bulgari qui en a plusieurs, probablement nous habitués ou ça yo. Et pour moi, this is the best. Oh my God, this is the best from the line. Pourquoi? Parce que c'est frais, it's fresh and crisp. Par contre, comme si nous contenions mon âme, c'est comme si que ça a un effet de chemise blanc, tellement comme si it's like, mais en même temps, moi trouvais que c'est sexy. Et dans la ligne, moi je connais que gagne Omnia Coral qui est très populaire et gagne Saphir aussi qui est très populaire. Mais moi trouvais et le coral est plus fruité, peut-être au monde qui aime parfum à base de fruits qui a toujours pensé à prendre, mais moi je trouvais l'autre manque de personnalité. Ça est stronger et puis il y a une bonne projection. Il jouait pi plus. So, première recommandation. Et c'est ainsi comme si, moi, juste depuis moi, j'ai hésité pour mettre un bagage, juste prendre, and then that's it. Et je reçois beaucoup de compliments. Je sais que it's a great factor for you to decide. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que nous parlons de mes parfums qui sont trop sucrés. Nous aimons gagner un right balance between freshness, si nous avons dit ça, et un little bit of sugar, juste pour rappeler que vous êtes une femme, sans que it's not too much, it's not on your face, je recommande. Je recommande ce parfum pour travailler, surtout dans les endroits où il fait chaud, parce que ça, comme si même là où moi prends sa tête, j'ai l'impression que il peut être fraîcheur pour vous. So, je recommande celui-là. Donc, that's one. Côté ma première sélection. So, un autre parfum que je voudrais recommander, qui ça m'a guys. Donc, je pense que ça va dire tout.
Ça, c'est Aqua di Giorgio Armani. Je pense que dans toute collection, c'est une fois que je recevoir plus de compliments pour lui. Plus de compliments, comme si mon cas stoppé. Si je suis dans un magasin, mon just pas être sous moi, c'est lui qui ça m'a porté. Bah, ça, moi, mettez niche, moi, mettez un pile parfum. Mais this, c'est un parfum que, for some reason, moi, pas connaît. Mon toujours aimé. Comment que je décrirais ce parfum-là? It's really fresh, a little sweet. Mais liban mon lightness depuis moi mettais moi senti que comme si moi light comme si pas dans un mauvais sens comme qu'a dit ça it has a c'est un parfum un petit peu aquatique si m'a dit ça but the water notes in here is so well done et puis je travaille quelque part le mettre pour faire ça tout le monde aime pour comme si quelqu'un dans mon nounous I love it. Pour parfum frais, pour moi, this is really good. Ce que je peux vous dire, autant que je recommande ce parfum, Aqua di Giorgio de Giorgio Armani, je sais qu'ils ont changé la présentation. Et je n'ai toujours pas de confirmation. J'ai essayé de tester la dernière fois, mais pas changé. Je n'ai pas la confirmation si formulation n'a pas changé. Mais ça, c'est une petite merveille. Vous pouvez voir que j'ai utilisé. Et qu'est-ce que j'aurais pu, qu'est-ce que je prends encore? Ok, guys, I know un pile moun remè Coco Mademoiselle, moitié tête pas m'en rit dans ça et puis tombe dans ça. Le eau de parfum, pas le eau de parfum intense, le eau de parfum c'est frais, bien que il y ait patchouli, il y ait vanilla. Aqua di Gio, et ça s'appelle Aqua di Gioa, Aqua di Gioa, de Aqua di Gio. So, there you go. J'ai dit Coco de Coco Mademoiselle. Guys, pendant que moi parler nous de Coco Mademoiselle, ça c'est une version abordable qui rappelait un pile ça. Ça c'est parfum et comment il est et oh, comment il est Anyway, ça c'est une imitation de Amaf. Et parfum, c'est pas asiatique, non, pour qui ça zone dans la tête, moi. Et Georges, si tu es là, give me, là où Dubaï est, ces zones-là où il y a les pistes, oriental. Ça, c'est une imitation de oriental, Amaf. Et ça, c'est le club de New Woman. Et ça, c'est très, très bon marché. C'est un parfum que si vous allez sur ma page à la Moumousse, et dans mon Amazon Front Store, vous allez trouver le lien direct pour acheter ce parfum-là. I think it's less than $40. Oui, ça vient de l'Orient, mais c'est pas un parfum oriental, c'est un parfum frais et léger, aussi bien que Coco Mademoiselle. Regardez côté Coco Mademoiselle m'arrivé et regardez ça. Guys, je tellement recevoir compliment pour ça. Ça rappelle effectivement Coco Mademoiselle, mais je dois vous dire les parfums de l'Orient, comme c'est eux vraiment qui distribuent les épices. Yo gen yon méthode que yo brasser pis lan ki extraordinaire. C'est pour cela que vraiment les autres pays suivent avec des parfums oriental. Je vous recommande celui-là. Autant que si vous avez déjà Coco Mademoiselle, if you are on a budget, le Amaf Club de nuit, je pense it's under $40 et ça c'est 100 ml. Guys, je vous recommande donc. Ça fait deux. Et deux heures, on a dit, ça peut faire des parfums signature. C'est deux parfums là. Bien que they are not my top, but ça peut faire des parfums signature. Qu'est-ce qu'on prend? Je vais prendre, pendant que je fais comparaison, allons prendre des comparaisons toujours. Voici, ça c'est un parfum fruité, très fruité. C'est Yves Saint Laurent Mon Paris. N'importe des Mon Paris, ça c'est l'original. Je ne collectionne pas les Mon Paris parce que moi, mes parfums qui ont pile personnalité. Et je trouve les parfums frais, fruités, très fruités comme ça. Ils ont fait un petit peu team, in my opinion, pour ne pas mettre sous moi là. But, définitivement, et voici la bouteille. Je l'ai depuis longtemps, ceci dit. It's okay, and with the aging, c'est un parfum qu'il faut laisser. Si vous aimez les parfums qui projettent un petit peu plus, c'est un parfum qu'il faut acheter. Spray-le, et puis quitter là. Et puis après un certain nombre de temps, la monter. Maintenant! Curieusement, ce parfum-là, il gagne pratiquement même sent avec. Et ça, c'est le coach eau de parfum. Il rappelle un pile parfum ça.
pas moi m'a quitté les jeans et pour moi dans qui point que la baille la différence à l'entrée gros note de gingembre là dans son bagage extraordinaire. J'aime beaucoup plus, j'apprécie beaucoup plus l'entrée de ce parfum que celui-là. Et encore une fois, ça c'est une autre version qui meilleur marché si que ou pas disposé à acheter mon pari qui un petit peu plus cher moins que la 160, ça c'est 100 ml 160 etc. Et celui-là c'est 100 ml aussi, c'est en dessous de 100 dollars que vous faites tout ça. Donc il y a ça. Autre chose. Bon pour un parfum que moi aimer non ou bien un parfum que me pas aimer ça vous me prend. What's the name of the one that reminds you of Coco Mademoiselle? Club de nuit. Club de nuit woman, Amaf. Vous pouvez trouver le lien direct sur ma page. Vous allez sur ma page, vous cliquez sur mon lecture. Vous allez dans my Amazon Front Store et puis vous allez trouver my fragrances recommendations. I have listed a bunch of perfumes that I love, that I like, that I think will do good for you. So do not hesitate. So, allons-y dans quelque chose que... But let me get this out of the way. So, en passant, Ok. Oh, Jésus. Donc, Hermès. Ça, c'est Twilly de Hermès. Ça, c'est l'eau ginger. Comme vous savez, maintenant, il y a beaucoup de flanqueurs pour ce parfum-là. Il y a le Twilly de Hermès original. Il y a l'eau poivrée et l'eau ginger. This has been offered to me by Little Europe. As you know, I'm a brand ambassador for them. So, je dis toujours ça. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec, mais c'est dernièrement, moi, quoi, à chaque fois que je prends un parfum, je oublie que moi, je n'ai pas un parfum que moi, j'étais extasié. I don't like Hermès perfume because I think they could do better. Et c'est la même chose avec ça. Le parfum que l'entre jusqu'à la fin, mettez le matin, n'a souhaité sacrété. Hein? D'ailleurs, ça ne dure pas, il faut réappliquer un parfum Hermès. It doesn't last. Et parfum pas évolué. Et le original peut-être est beaucoup plus facile à apprécier dans le sens que la note de gingembre, c'est le gingembre frais. Celui-là, le old ginger, a ce qu'on appelle candy ginger, qui sont ginger, qui sont surettes de gingembre, c'est-à-dire qui draguent, qui transforment. Et dans la transformation, it gives you something like a dirty ginger, if I can say it like that. And I don't find it attractive. Oui. La moumousse. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Ok. Let's move along. Parce que this is the worst que je me présente aujourd'hui. Hein? L'autre jour, I'm okay with them. Ok. So, allons. Let's get some newbies out of the way. Newbies, pas newbies. Est-ce que... Ok. Let's allons prendre ça. Nous avons un parfum devant. Ok. So, ça, c'est le Hypnotic Poison de Dior, l'eau de toilette. Hypnotique de Dior. Dans Dior, dans les poison, dans le hypnotique, il y a l'eau de parfum et il y a l'eau de toilette. Et l'eau de parfum, je pense que ça fait un petit peu plus soir. Le nom de ma page, c'est La Moumousse. La Moumousse, je vais dire ça aussi à la fin. La Moumousse. L-A-M-O-U-S. Ça, c'est une version beaucoup plus frais. Oh. Il y a mon odeur en dessert. Et m'utiliser pas mal parce que j'ai plusieurs hypnotiques. Alors, j'ai plusieurs poisons dans ma collection. Et celui-là, c'est mon préféré. C'est le plus ancien. It's light. It's sophisticated. It's fresh. It's a little sweet. Oh, it's a little bit of everything. Maintenant, dans la ligne de poison pour l'été toujours, il y a le Pure Poison que je recommanderais aussi, que je n'ai pas là présentement, que je recommande pour justement la saison de l'été où il fait chaud. Et le Pure Poison aussi, de même que ce parfum-là que je viens de recommander, et ce sont des parfums assez légers que si vous travaillez dans des environnements, surtout, I know that there's a lot of diaspora here, si nous travaillons dans un environnement côté qui... comme qu'a dit qui fermé et que nous pas capable mettre bagaille qui projeter trop pour ne pas déranger ça et le club de nuit it's a good option for now. Sinon l'option que j'aurais pour vous, j'ai deux options pour vous. Oh, j'ai oublié. Ah, I know it. Il y a ça, Gucci Mémoire d'une odeur
Et je vais vous raconter une histoire, laissez-moi vous dire l'autre d'abord. Et l'autre, je l'ai oublié, c'est Narciso Rodriguez Pure Musk. C'est une bouteille blanche en cube avec une tête noire. Par contre, comment on fait pas là, non? Where is it? Anyway, bah, le coup à chercher parfum, but je vous dis ces deux-là. Ce sont ces deux parfums que je recommande. L'autre, le Pure Musk, for Netflix and chill, plein petit bagage tête en tête, côté que l'on a cherché sexiness, it's Musk. Done at its sexiest, si je peux dire ça comme ça. Et dernièrement, j'étais là-bas. Dès que je passe à Little Europe, il faut me suivre. Je vais faire des lives là-bas. Toujours end up à aider mon choisi parfum. Et moi, fait un aigle choix. Il finit d'acheter, il est venu l'acheter parfum déjà. D'ailleurs, il avait acheté pour sa dulcinée le Gucci Flora et Gorgeous Gardenia, quelque chose comme ça. Que c'est pas mal pour la saison qu'on est. Mon problème que j'ai avec ça, un problème de longévité, but it's very good. Et je lui ai proposé, je lui ai montré celui-là. He was like, okay, I have to get it. Il était venu acheter pour quelqu'un d'autre. Il a acheté encore un autre parfum pour sa dulcinée parce que lui-même dit, n'est-ce pas, il prend ça, il dit, this is so sexy. Il dit. Et ça même, et c'est quelque chose qui réagit vraiment bien avec ta peau. Ça va faire ressortir ton odeur naturelle, but only, comme on a dit, softer, nicer, comme si all the goodies. So, je recommande beaucoup Narciso, Narciso de Narciso Rodriguez, le Pure Musk. Donc, c'est ça. Et mémoire, Gucci mémoire d'une odeur que j'aime bien, very light, very different. Et c'est un nouveau DNA. Il n'y a pas encore de parfum sur le marché qui ressemble à celui-là. C'est vraiment unique, ça. Je vais lui donner ça. Et j'aime bien. Maintenant, et la l'histoire que j'allais vous raconter, il y a quelqu'un qui est venu chercher un parfum pour dormir la nuit. Et puis moi j'ai montré plusieurs parfums, je lui ai proposé le Flor Musk et puis je lui ai proposé ça et puis elle hésitait. Et puis comment elle s'appelle à Little Europe, lui a proposé le Coco Mademoiselle, il y a l'eau privée. L'eau privée c'est fait justement pour porter la nuit pour aller dormir. Mais finalement, elle a pris ça. Elle a dit que this is so different. Et comme si que lui ouais que lui dans space li. Et ça l'a remporté. Guys, this is very, very, very good. Et si on est une collectionneuse ou un collectionneur, this is a good piece to have in your collection. Ok, let's move on. Ok, allons-y. Allons faire ça. J'hésite, moi je vais montrer ça. Because it's fairly new in my collection. L'interdit de Givenchy, l'eau de parfum. Maintenant, si vous me connaissez, vous savez que l'une des notes que j'aime dans un parfum, c'est la note tubérose. Et j'ai beaucoup de parfums à base tubérose. Et de Gucci, c'est mémoire d'une odeur. Mémoire d'une odeur. Mon secrétaire Larry, Georgie, écrit pour moi pour de Gucci is mémoire d'une odeur. Mémoire d'une odeur. Merci. Ok. L'interdit. Maintenant, et cette ligne aussi, ça a plusieurs flankers qui fait là-dedans. Moi, j'ai un flanker que je trouve son version niche, qui est celui-là, l'interdit rouge. Et il y a le eau de parfum intense, il y a l'eau de toilette, il y a l'eau privée. Il y a un paquet. But this is the best. Ça, c'est l'original pour moi. It's really the best. Et j'ai beaucoup, beaucoup de tuberoses dans ma collection. And Lord knows que moi, pas... Comme si I'm not all a Givenchy girl, but I'm impressed. Et very impressed with how the tuberose note is done here. Et m'gan pile bon tuberose, guys. This is it. So, you know, parfum, c'est ainsi, c'est deux ça. C'est goût même, presque moi, don't challenge... Pour moi, Johnny. Oui, c'est pas facile à trouver. Il y en avait à Little Europe, guys. Little Europe, si vous êtes en Haïti, it's the place to be pour les parfums. Et c'est pas difficile à trouver. Mais je peux vous dire, ce que je peux vous dire, ça c'est la version niche de l'interdit. Ça c'est un oriental. La note tubérose est toujours dedans. D'ailleurs, la note tubérose dans ça reste et demeure jusqu'à la fin, which is gorgeous. Which is gorgeous. J'aime bien un point que je pense que pour une fois, peut-être que je prendrai l'eau de parfum intense. But in my humble opinion, il n'y a pas besoin de faire l'eau de parfum intense. Puis tu as juste fait ça intense.
Parce que les notes de ça, c'est vraiment similaire. C'est seulement bon, la vanille qui est augmentée avec le patchouli qui est un petit peu plus fort là-dedans. Tandis que ça, c'est plusieurs. I like perfumes that are hard to find, especially in the US. I hope it's hard to find for you then. So c'est ça. Donc, l'interdit de Givenchy. Alors, ce sont des parfums qui sont là depuis. I think Givenchy est sorti en 2016. So, it's really, it's not new, but it is not bad. Et, ok. On parlait de Signature Scent. J'ai recommandé déjà peut-être deux parfums. Excusez-moi. J'ai recommandé probablement deux parfums comme parfum signature. Et ce parfum-là, trust me, guys. Ça, bien que c'est rempli, je n'ai pas vu avec ancien bouteille tellement laide. C'est un parfum que j'ai toujours dans ma collection. Chloé, l'original eau de parfum. Bien que la maison Chloé son bas, mais par exemple, vous voyez Bulgari, son maison que j'ai déposé à terre. Parce que mon Bulgari préféré, il était discontinué les deux plus lourds, comme si que moi vraiment, moi pas de servir avec eux. De même que Gucci et Chloé fait même bagarre là. Mes parfums préférés en général, et au moment de discontinuer. Peut-être parce que mon parfum est parfum qui a un petit peu plus de personnalité. Anyway, let's do this. Ça, c'est l'original. C'est un parfum. C'est frais. C'est léger. C'est élégant. It's boss babe light. On nous fait une différence. You know, when people is wealthy versus someone who has money, this is the wealthy woman. Not the woman that has money and has to show off. C'est mon qui just connaît et puis just. Et c'est un parfum qui me donne tellement de compliments. Guys, I'm telling you, this is the bomb. Ça, c'est un parfum signature. Un parfum signature, c'est un parfum qui a fonctionné à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison, la performer, date night, matin, soir, whatever, ça peut fonctionner. Et c'est encore un autre parfum que it's an easy grab for me. La seule raison qui fait que peut-être que moi pas prendre aussi souvent que d'habitude, c'est parce que comme on est en été, moi en amour avec le Bulgari, Cristalline et l'Interdit. But c'est ça. Et pendant qu'on y est, pour les gens qui travaillent, par exemple, nurse, etc., moun ki kap travay dans les environnements, que yo pa ka pran, en pile, que yo pa ka pran, ou que yo pa ka supporte en projection, trop élevé, yo juste besoin bagay frais pour yo même en toute intimité, pour yo prendre sa tête yo. Et même pour dormir aussi, je recommande ça. Ça, c'est l'eau naturelle. Chloé a lancé un trend où les meilleurs parfums maintenant ont une version d'eau naturelle. Donc, il y a ce Chloé-là qui est l'eau naturelle, qui a l'eau naturelle. Il y a également le Chloé. Je pense que je vais prendre le Nomad aussi à l'eau naturelle. People, you know, bon, people that used to follow me know my opinion about Chloé Nomad. We're not going to talk about it. But ça, c'est super bon, l'eau naturelle. C'est un parfum extrêmement frais. Comment on peut dire ça? Est-ce que nous, ouais, comme si au printemps, est-ce que c'est au printemps, dans mi-printemps, le jardin a fleuri et que vous rentrez dans le jardin côté qui plein citronnier et puis vous avez coupé citron et puis pas fait chaud, pas fait frais et puis odeur citronnier, vous faites citron frais, vous avez monté et vous sentez tout acheté alors pas jamais aller, guys. Oh my god. But this is done in a, encore une fois, je répète ça à la signature de Chloé, l'original, in a wealthy way. C'est-à-dire like a boss. Oh my God. Et je n'aime pas en général les parfums trop frais. It has some rose qui un petit peu féminisé. Peut-être c'est ça qui fait que je suis. It has some rose. It's not really sweet. But it has rose. And the rose in here is done to perfection. You need a nose to see there's rose in this. But ça fait le travail. Et il y a aussi un autre qui est très bien aussi, qui est rosé, en partie rosé dans cette collection là. Dans cette collection, comme si vraiment it's your pick. Mais si vous voulez quelque chose de classier and the wealthier, allons dire ça comme ça. Et celui qui va vous donner le plus de compliments, c'est le Chloé original. J'avais au bureau, j'ai quelqu'un qui venait, quand je mettais ça pendant une époque, l'idée qu'on fait, je mettais just every day, all day. Parce que depuis le vin, je suis là devant, je fais, oh my God. Comme si, on l'autre bagage, il dit, it's a wife perfume. It's a wife perfume, though. It's a wife perfume.
So quelqu'un qui veut porter un parfum dans un lit pour dire au garçon il faut faire sa demande because you are wifi material. Wear this. So let's go. J'ai parlé de tuberose tout à l'heure. So laisse-moi mentionner ça rapidement. Ça c'est un autre tuberose my way. Il y a l'eau de parfum intense que je ne recommanderais pas pour l'été, mais ça, this is sweet. C'est très, this is sweet and fresh and playful and joyful. C'est un parfum qui rend heureux, si je peux dire ça comme ça. I've been through some difficult times and this is one of the perfumes I reach out to. This one, my way. It's playful, it's youthful, it's well done. Pas dans le sens que comme si l'ipoil fort Simone, parce que vous devriez savoir que et la note tuberose est une note assez mature. Certaines personnes n'aiment pas forcément et cette note là dans les parfums, but it's a really really great note to have in a perfume parce que c'est tout comme le musc, c'est quelque chose qui attire, c'est quelque chose qui enivre, donc it's really really good to have. Est-ce que je peux commencer à débasser un plateau de manière à ce que je suis capable de faire professeur? So let's go, let's get those out of the way. So Dolce & Gabbana, j'ai les deux, Light Blue Eau Intense et l'original, sont des parfums que je recommande pour la saison parce que c'est frais. Maintenant, beaucoup de gens vont dire que l'original ne dure pas. Ce que je conseille de faire, un, c'est de laisser it's to let it age. That's the first thing. And the second thing is to put it in your fridge the day before you wear it, for example, so you can spray it. And it's a splash of Je ne l'ai pas pris encore parce que j'ai préparé la fois vite. I was on a live and then I jump into this. Et moi qui suis sur le live, je vais me changer au moins top. So I have different presentation, but let's go guys. Les deux. Celui-là est un petit peu plus sucré. Et la note sucrée qui est dans ça, alors et c'est sucré, c'est vraiment. Et est-ce que ça a gardenia? I smell gardenia and I love gardenia. Maybe that's why. Ça donne une meilleure durée, une meilleure projection. C'est très, très agréable. Et le Light Blue original, le eau de toilette, pas l'eau intense, le eau de toilette. Tyler dit, what, which one to put in the fridge? Guys, actually, all your fresh perfume, you can put them in the fridge and it's gonna hip up the vibe for you. For example, celui-là, vous pouvez mettre au réfrigérateur. Ça, vous pouvez mettre au réfrigérateur. Et le chloé au naturel, vous pouvez mettre au réfrigérateur. Ce sont des parfums qui, lorsque ça va rentrer en contact avec la chaleur de votre peau, ça va vous extasier. Ça va vous extasier. Et pendant au moins une heure ou deux, vous allez voir le comportement du parfum va être amplifié. Ensuite, ça va devenir son cours normal. Oui, je suis d'accord pour l'impératrice. Bien que l'impératrice, it's a watermelon. So, ça te prend directement, which is very good. Ça te met directement sur les tropiques comme si tu étais en vacances. Good one. Parce que ça aide avec la projection. Donc, ça, it's a good thing to have. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup de parfums. Lorsque vous voyez que mes parfums sont comme ça là, it means that I'm using them. Ça, ce sont des parfums. They make me happy. Et je vais passer pendant qu'on parle des parfums qu'on peut mettre au frigo. Laissez-moi prendre deux autres parfums que je garde là, que je pense que nous allons mettre au frigo. And we're going to talk. Oh, je pense que je prends ça. Je dois prendre ça aussi. Ça, c'est dans l'autre panier que je ne peux pas manger du tout. So, let's do this. Parfum que nous allons mettre au frigo qui très bien. Il y a Versace. Il y a ça. Il y a le Bright Crystal. Et le Bright Crystal, il y a l'eau de parfum et il y a l'eau de toilette. Les deux sont bons. Mais pour l'été, je recommande l'eau de toilette. Et mon préféré, c'est l'eau de toilette. Because there's a coconut and pineapple in it. Comme si, là, quand tu mets au réfrigérateur, tu mets ces mêmes gens. Tu sais, nous, quand on est en fumée pour mon enfant, et puis juste retrouver le pélican est là, pied coco est là, tout bagay là. This is the vibe. And guys, this is so sexy. This is sexy. N'importe la belle, eau de parfum ou de toilette is good for, I'm a woman. M'ka fait une édition pour garçon, bien après m'ka touché garçon, but I'm a woman, so I'm talking for women. But it's good for you to stay, so you know what to buy to your girlfriend or your wife or whatever that is.
whoever the women in your life is. There isn't any perfume that you can't put in the fridge, but for some, on pense que li ka upset li and make it too much. For example, this un parfum qui est fait par exemple les orientaux by default, je ne recommanderais jamais de mettre des parfums comme ça au frigo parce que ce sont des parfums justement qui a besoin justement de la chaleur de votre peau pour pouvoir performer. Et il performe bien dans le froid déjà. Et les orientaux par défaut, c'est pour porter quand il fait froid, dans une température ambiante, pendant que c'est sur vous. I don't know if I'm making any sense, but si vous voulez mettre tous vos parfums au réfrigérateur, allez-y. But some will piss you off, some will make nothing for you, and others will flourish. That's it. And okay, Versace. J'ai dit ça. Et dans le Versace, il y a le Yellow Diamond qui n'est pas mal. Et j'ai ça, I'm not gonna buy it. On va pas l'acheter ça encore, le Bright Crystal. Tout ça, ce sont des parfums frais. Le Bright Crystal, il y a une version eau de parfum intense. Je n'aime pas. I don't recommend it. Mais pour l'été, un exemple de quoi? Je ne comprends pas ce que... L'exemple de quoi qu'il vous faut. Si vous parlez d'oriental, il y a Beach Hot de... Il y a Beach Hot, c'est un niche de amouage que je ne recommanderais pas de mettre dans le frigo, par exemple. Never on earth. Il y a Santal Royal de Guerlain, which is another great oud-based oriental fragrance. I would not recommend to put in the fridge. Also, il y a Oud Bouquet de Lancôme ou bien le Chafka Oud qui est son, soi-disant son clone, qui a deux parfums orientaux. Bon, get a bon, 4 ou 5, I would not recommend to put on the fridge. It will piss you off. That's it. Just try it and then. I'm talking about amourage. J'ai pris deux amourages pour vous proposer pour l'été. This is Sunshine. Guys, je dois vous expliquer ma relation avec ce parfum-là. Et j'aime l'odeur du parfum parce que it makes me happy. Il littéralement me dit ça déjà et rappelez-moi et il littéralement rappelez-moi et tout le monde là c'est haïtien à comprendre ça me dit un bon cola séjourné cream soda but done in a wealthy way me dit ça comme si done to perfection. So j'avais l'impression que le mid parfum ça n'est pas duré, il pas rien etc. So mes enfants adorent ma collection et de temps en temps, surtout quand on sort, ils m'ont dit mamie, je veux mettre un de tes parfums. Et un jour, Abby dit me livrer mes parfums ça. Après j'ai choisi Beach Hot là qui pratiquement jaune constamment, jaune légèrement plus foncé. Et puis je lui dis je ne vais pas mettre Beach Hot pour toi parce que je connais too much, c'est oriental et je vais mettre ça pour vous. Et ça, ce sont, encore, c'est un parfum à base de tubérose. Le Bichotte aussi, et celui que je vais vous montrer après aussi, c'est tubérose. J'ai mis ça sur elle. Guys, ça, c'est Sunshine. J'étais à l'église là, presque, je voulais me coller dans mes souliers. I was like, what? Elle est retournée à la maison, elle s'est changée. Je me dis, oh! Et puis, I was hugging her. Since we used to hug a lot, je ne suis pas prête à attention que je hug her a little too much. And I was like, oh my God, this... is bomb. This is the bomb. Et ça c'est Amourage Sunshine. Et aussi je vous présente ça c'est Love Tuberose. Bon, on qui connaît même Tuberose. This is really soft et ça c'est un parfum que je recommanderais non seulement pour mettre pour l'été, ça peut faire signature et it's a great perfume to wear if you are a bride. La fait belle photo. And the groom is going to love it. Oh, professeur, beaucoup de parfums. Mettez mette la main là, etc. Oh, j'avais d'autres parfums que n'a pas les for the fridge. Dolce. Et ça, c'est celui que je préfère dans cette ligne-là de Dolce & Gabbana. C'est le Garden. This is pure pineapple and coconut. Put it in the fridge, put it on you. Si vous allez en vacances, vous allez à Hawaii, vous allez à la mer. Comme si ça, c'est un parfum à porter. Et dans la chaleur, sous le soleil, avec le sel de mer. Nous pas même besoin de mettre comme un Bronze Goddess de Estée Lauder. This is better. Way better. So, est-ce que j'avais pris l'autre? Oui, j'avais pris ça. I don't know. This is... Ça, c'est un marshmallow scent.
This is very light. Ça, c'est quelque chose que je recommande encore pour Netflix and chill, to sleep, si vous voulez porter quelque chose de all the way. Quel nom que tu as mis? Et ce que je viens de dire là, c'est Dolce Garden que je viens de parler. Et ça, c'est Dolce & Gabbana. Et l'eau de parfum. Et that's it. Rien du tout. It's a marshmallow scent. Généralement, je trouve que les marshmallow scent, they don't last. Pour notre sucré, ce qui est rare. But hey, allons-y. Ok, Tom Ford Metallic. Oui, mais parfum ça. It's fresh. On peut faire encore que au monde qui mette dans le frigidaire. Bon, je ne vais pas mettre dans le frigidaire parce que j'ai toujours l'impression que je spray sur moi, je saute dans le frigidaire. Encore, ça, c'est une formulation unique que je, qui peut être un parfum signature. Il faut faire attention, ça ne va pas à tout le monde par contre. This doesn't go well with everyone, but this is gorgeous. Il y a le fiancé de YouTuber qui a dit que ça ressemble à pizza. I've been trying, mettre plusieurs bagages et pour joindre cette pizza en bas, je n'ai pas. Who am I to judge? Let's do this. Autre chose pour l'été. Oh, guys. Oh, Lord. Okay, ça, c'est un parfum niche. Ça, c'est parfum de Marley Cassilly. I know a lot of people love Delina. And okay, yes, I would recommend Delina. But I have to give it credit for what it is. C'est un parfum qui a une note qui s'appelle Rhubarb. Et c'est ce qui donne vraiment son originalité à ce parfum-là. And it is done in a softer version. Parfum qui fait à base de rhubarb que je connais, qui très bien que moi aimé, tout c'est Décadence de Marc Jacob. Il y a base de rhubarb et je crois aussi et Aura. Maybe I'm not sure from that vérifier. Gain notre salade. So these are two things. Actually, j'ai pris même quatre parfums de Marley, but I'm going to show you two for now. The time a passé et puis téléphone moi pral décharger, mettre le prend charge son computer qui décidait, oups, qui décidait à faire update et que le pas bon charge. So these two, et ça c'est mon préféré malgré tout. It has some a peach note. And the peach is so well done pour moi qui parais mes parfums fruités. From Balis Fair. And you can go anywhere. Autant que ce sont des parfums à base de vanille qui toujours frais, élégant et sucré. Et n'importe où vous marchez, whether it's Atalia, Meliora et non l'autre là, comment ça arrive encore? Oyana, whoever. It's okay. Et so, ça c'est la niche. Juste parce qu'on ne pourra pas répéter tout ce qu'on a perdu, j'ai mentionné Miss Dior Absolutely Blooming, de même que Miss Dior Eau de Parfum, l'original, la version de 2000, la version de 2000, de 2017. Oh, this is too much. Ok, je préfère cette lumière. La version de 2017. Il y a aussi, j'ai parlé de Elisabeth le parfum original et Elisabeth le parfum in white. Le parfum original peut être un parfum signature et le parfum in white, c'est un parfum que je recommande pour les mariés. Allons-y vite. Ensuite, j'étais en train d'expliquer l'histoire de Creed Adventures for Her, mais c'est une histoire pour quelque part d'autre parce que une autre fois. Because I really don't get what's happening here with the light and everything. So, Curly is figuring it out. So, I don't know. Ce que je peux dire pour ce parfum-là, pour moi, c'est un parfum de victoire. Parce que j'étais dans une situation et quand je me suis remis, j'allais sortir un matin et puis me dit qui parfum m'a metté pour exprimer ça me senti. And I went with this. Et j'ai vraiment apprécié. Maintenant, ce que je dois dire, si vous mettez ça,
Vous pouvez également porter celui de l'homme et je préfère porter celui de Carl que le mien. Donc, juste pour vous, pour que vous le sachiez. So, Creed Adventist for her. D'autres parfums frais, alors pas parfums frais, ça c'est chance, c'est It's an Amber. C'est ça. Floral, c'est. Ça c'est un parfum signature que je recommande toujours comme signature. This is the Boss Babe, this is the Independent Woman. C'est tout ça que nous avons passé de classe, de bon, de bien pour une fille. C'est chance, l'original, c'est un parfum intemporel. C'est une formulation unique, d'ailleurs, qu'on n'a jamais pu répliquer, que je recommande. Et il y a les différentes eaux de toilette. J'ai le eau vive. Beaucoup de gens aiment autant, etc. Toute cette ligne-là, ce sont des parfums frais et agréables qu'on peut porter durant l'été. Parfum assez intéressant à mentionner, qui est nouveau. Ça, c'est le Alien. Et ça s'appelle lequel des aliens que c'est? J'ai toujours oublié. Why? Jésus. I forgot the name. Ça c'est lequel des aliens? This is Alien Goddess. Sorry, j'ai oublié. J'aime parce que toi parfum sous moi pendant ce temps. It's fruity, it's fresh. It's sweet, it has that ambery note que nous habitués prenez dans Alien original, but it's softer. Actually, tout parfum Alien yo vient plus soft. Et comme vous savez, la maison Thierry Mugler a été achetée par la maison L'Oréal, comme la plupart des branches maintenant. Et ils ont changé le nom en Mugler et ont commencé à changer toutes les formulations des parfums. Donc ça, c'est les nouveautés qui sont faites sous cette bannière-là. Et bon, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas Alien qu'on connaissait dans les années 90, dans les années 2000. But this is nice. This is nice and pleasant. Le seul problème que j'ai, je trouve que la projection de ça, c'est vraiment modéré. Donc c'est quelque chose que vous pouvez porter. C'est quelque chose qui vous fait sentir belle. Nous voulons mettre ma femme sentir belle and airy, a little sweet, a little fresh. Et ça me donne le vibe de girl next door. I don't know if I'm making any sense. But ça, c'est l'odeur de girl next door. The girl next door, the fun one. You know, the playful one. Yeah. A little mysterious, but not too much. So, et comme parfum, comme on est dans Mugler, non, tu peux commander en ligne. Il n'y a pas ça en Haïti. Badly. Et ça, c'est dans le Mugler, ça, c'est dans Angel et ça, c'est Angel Nova. Encore, c'est frais, c'est sweet. Ça a le DNA de. Justement Angel, but c'est moins potent, c'est... Actually, on a même changé la formulation aussi. Les choses qu'il y avait les anciens Angel, si vous aimez, sauvegardez ça, parce qu'on a changé, ça devient plus léger, les nouvelles formulations. Par contre, pour qui ça fait ça, c'est même que Creed, on a acheté la maison Creed, et dernier parfum que Creed soutient, it's a catastrophe. En tout cas, pour moi, qui est habitué avec Creed, qui ont certaines puissances ou certaines powers, ça m'a eu forcément avec les anyway. On ne va pas discuter de ça. So, yeah. Nova. Et rapidement, qu'est-ce que j'ai pris pour vous? Oldie but a goodie. Beaucoup de gens aiment Woman, Tender Woman, son bail comme ça de Ralph Lauren. Mais moi, pour l'été, this is a goodie. Ça, c'est un parfum que je mettais tous les jours. Il était fini. Et puis, dernièrement, je me dis, I want to have it back in my collection. And je l'ai maintenant dans ma collection et... I've been spraying it ever since. Ce que je dois vous dire, si vous n'aimez pas et les DNA des parfums des débuts des années 2000, peut-être que it's not something for you. It's really fresh. Like really, really fresh. Même, quand je dis, bon, même si c'est frais. Sur ça, il faut faire attention. Cependant, pour le tester, savoir si on aime, on doit tester sur la peau.
Parce que quand c'est sur la pose, ça devient plus soft, plus doux, et tu as l'impression que c'est frais. Et puis les fleurs blanches à ce moment-là remontent pour vous donner justement, et les fleurs de jasmin, etc., pour vous donner et beaucoup plus de féminité. Là, j'aime beaucoup, c'est assez original. Et pourquoi c'est un parfum que j'ai ramené dans ma collection? C'est parce que maintenant, on n'en parle plus. Donc ça, quand tu le mets, c'est très unique. Et je parle de ça, ça n'a pas été reformulé. Donc longévité, sillage, tout est au rendez-vous. Qu'on ait fait parfum pour nous faire nos gaspillés parfums. En parlant de Oldie, et on va finir. Il y a un parfum que j'ai pas pris que je vais vous recommander. Ça, c'est Miracle de Lancôme. It's fresh and sweet. Ce parfum commence à faire son retour dans ma collection. Ce parfum que j'avais dans le temps. Et puis, bon, le fini, j'ai essayé. Il y avait au Miracle, il y avait ça. J'ai tout essayé. Il y avait, je crois, ça, c'était l'original, c'était un cadeau. Et puis, fini. Et puis, je ne me rappelle pas de son nom, c'est une des dames caribéennes. Elle est de l'administration, elle n'est pas dehors, mais généralement, si j'ai besoin de connaître elle, ou bien si elle me voit dans la caméra, elle peut sortir de sa vie. Bonjour, n'a parlé. Oh my God, ma pédé m'a dit, à chaque fois qu'elle me dit, mais qui s'axe? On compte ça, mais pas, ouais, qui s'axe? And she was like, this. And I said, I have to have it back. Et honnêtement, je l'ai depuis un petit temps. Un bon petit temps. Et c'est pas comme si je décide d'acheter l'un, c'est un... Qu'est-ce que tu entends par l'original? Ce coche-là est assez récent. L'original, c'est pas comme ça que ça se prête. Mais il y a floral, il y a plusieurs, c'est coche, eau de parfum, c'est tout. Et maintenant, comme avec un coche, je finis avec lui. Ça, c'est pas le floral est un petit peu rosé. C'est coche, eau de parfum, that's it. Ça va maintenant? Je pense que c'est piné sur ma page aussi de les parfums que j'ai sur Amazon. So, tu peux aller regarder pour savoir exactement lesquels. So, c'est ça. Et un autre signature, deux parfums signature que je voulais vous recommander. Il y a Guerlain, mon Guerlain, l'original eau de parfum. C'est signature, donc c'est adapté toutes saisons. Et c'est un parfum à base de lavande. Et généralement, la lavande, c'est une note qu'on retrouve beaucoup plus dans les parfums à or. So, curieusement, c'est dans un parfum pour femmes qui le rend assez original. Il y a un autre parfum encore qui est à base de lavande. Je ne me rappelle pas. The good thing with lavender, you know that lavender has a calming effect. C'est un parfum que j'aime mettre le m'connais que m'a une journée perturbée. Et puis, je mets ça calme. Au début, si vous venez d'acheter, vous allez voir que la longévité, ça peut faire des fous. Mais une fois que la couleur la vin darker, the juice, the longer it lasts. I don't know if I'm making any sense. Et aussi, c'est un parfum que c'est assez frais, c'est de la lavande que vous pouvez mettre au réfrigérateur si vous voulez prolonger la durée. L'autre parfum que je voulais mentionner que je ne vois pas là, c'est It's not a favorite parce que je trouve que it's too easy. C'est un autre Yves Saint Laurent, c'est Libre, c'est ça, Libre or Libre. It's a great signature scent. A little too easy, but hey. Ça, c'est un parfum que j'ai échangé avec un influenceur sur YouTube. Pourquoi je l'ai pris? Comment ça arrive encore? Est-ce que quelqu'un reconnaît la bouteille? Georgie, do the talking. Ça, c'est Wanted Girl de... Et ça, c'est Wanted Girl de Azao. Et pourquoi j'étais attirée par ce parfum-là? Je suis toujours attirée par des parfums qui ont des produits du terroir. C'est un parfum qui est fait à base de vétiver. Et ça, le vétiver haïtien. Oh, guys, de même que Delina, le parfum de Marley, c'est un parfum qui a du vétiver avec la vanille pour balancer à la fin et dans le dry down. Et le vétiver revient d'Haïti. It's just a fun scent. On t'a dit the same thing, girl next door. Quelqu'un a parlé de Misio. J'ai déjà mentionné Misio. Et mon parfum Misio préféré, c'est l'édition 2017 que j'adore, qui est pratiquement presque fini, que j'ai dans ma collection. Mais on a refait en 2021 là une nouvelle version de Misio. Ça a été reformulé.
Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé à avoir nouvelle formule, li trouvez trop sweet. Pas trop sweet, li trop fouillé, li manque un petit peu de personnalité, de caractère, ces choses-là. Et si vous aimeriez avoir l'ancien, la formulation de 2017, je vous recommande. Oh, vous avez crié. Vous mettez crié sous case bouteille. Je vous recommande de vérifier le nœud. Ça, c'est absolument blooming. Et ça, c'est une ancienne bouteille. Vous allez voir, le nœud est comme une plastique, c'est dur. Si vous achetez, que vous voyez que la bouteille, le testeur, si vous avez l'opportunité d'avoir le testeur, vous voyez que c'est un nœud en tissu. Donc, c'est la nouvelle formulation. Ce n'est pas l'ancienne formulation que je recommande. Au lieu d'avoir la nouvelle formulation, Sorry guys, on a perdu la communication. J'ai pratiquement fini. So thank you for holding on with me parce que aujourd'hui c'est catastrophique. Je dois retourner à mes bonnes habitudes, mieux préparer. Et aujourd'hui j'ai fait un retour vraiment abracadabra. But it's gonna get better as usual. Donc comme je vous disais, je vous recommanderais le Absolutely Blooming qui est eau de parfum parce qu'il y a beaucoup de eau de toilette dans la ligne de Miss Dior. Et ça, c'est un eau de parfum et qui est fruité, but yeah, on retourne en force de live qui est un petit peu plus fruité, mais définitivement avec un petit peu plus de caractère. So, j'ai deux derniers, sinon trois. Il y a un que j'ai pris là, I don't know why, que je l'ai. Il faut parler pour les hommes la prochaine fois. Oui, c'est une raison, c'est une très bonne raison. Avant de partir, je donnerai trois parfums pour hommes, mes amis, pour la saison. Vous savez que c'est les femmes qui font ça. Je sais que certains hommes collectionnent des parfums. Ça, c'est Daisy Marc Jacobs. Je suis pas pour moi depuis 10 ans, pas jamais qu'à finir. Parce que arrivé au coup de l'autre, on mettait Just Like a Love valise, mon Dieu, son de Saint. Et comme son monde, généralement, toujours préparé dans la route, des fonds bons temps à utiliser. It's good, it's okay. Get a monkey fell for signature scent. I can see why it can be a signature scent. But si vous êtes de la trentaine plus, moi pense que this is not a perfume for you. Maintenant, si vous êtes de la vingtaine et en 18 à jusqu'à 25 ans, et y a Daisy, mais ils ont sorti toute une nouvelle collection. Y a Sky, y a ceci, y a cela, etc. Que j'ai testé, j'ai trouvé frais. Au contraire, me dit, ah, si je faisais une collection pour Abby, nous avons ajouté là-dedans. Les bouteilles sont super cute et c'est it's fun and everything. So, ça fait l'affaire. Ce que je peux dire, c'est pas un parfum qui va vous donner un compliment. Sous faire mention, ou du pas prendre sans ou bien combat qui fait allusion à parfum. Mon n'a pas au côté, c'est la bise. You smell nice, but it's not gonna have the people over you to say, oh, you smell so good. What are you wearing today? Nah, you're not gonna have this. Par contre, this is an oriental perfume, but it's a soft oriental. It's not really fresh, but je l'ai pris parce que la note d'entrée, it's clémentine, qui s'est offerte au citrus. Clémentine, c'est un citrus. Ça fait partie de la de citrus. C'est like, comment on dit by ça, clémentine? It's like mandarine. Et c'est vanillé. C'est un parfum que j'ai tellement recommandé que il y a plusieurs parfums que je vous ai recommandé là qui normalement ne sont plus disponibles à Little World because I've been selling the crowd out of them. Il y a ça, il y a celui-là, je sais qu'il n'est plus disponible. Il y a et le Dior Rouge, et c'est pas le Dior Rouge, non? Comment ça s'appelle? Le Givenchy Rouge qui n'est plus. Aussi, il y a peut-être certains parfums qui ne sont plus disponibles, mais la plupart de ces parfums-là sont disponibles à Little Europe. Peut-être de nouvelles formulations aussi, je dois le préciser, mais il y a beaucoup de parfums qui sont anciens, mais leur formulation était avant-garde, il est assez unique, il n'y a jamais eu d'avancée dans ce sens-là. Like, I'm cool with it. But anyway, allons finir parce que là maintenant c'est Internet qui a un bon problème. C'est pas un problème de courant, c'est un problème d'Internet et accès à IT. Ok, oh, je suis pas censé dire ça. Sorry.
si ça c'est si fiori actually je dois être honnête ça n'y a pas ça il y a les autres aussi et le si original aussi j'ai pas de problème pour l'été il n'y a pas si fiori à l'étoile par contre il y a si fiori à essence just to be honest si vous êtes intéressé pour moi c'est le meilleur de la nuit. It's a floral, it's soft, it's feminine, it's light, it's airy, it's different. Tandis que dans le si original et les autres, il y a tellement d'autres options. Alors, d'autres occasions et d'autres parfums qui sont similaires, allons dire ça comme ça. Et puis, bon, celui-là, j'avais pris pour vous montrer qui est disponible. Ça, c'est le Giorgio Armani Luna. C'est la version fraîche de Armani Code. Armani Code is an oldie but goodie. Ce sont des parfums qui attirent des compliments. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, comme là, on va m'aller pour me bailler parfum pour homme. Le dernier, c'est un petit essieu que j'ai. I never pulled the trigger and I was hoping that someone would offer me that one. Ça, c'est pas l'extrait, c'est le Baccarat Rouge 340 que j'ai dans un petit testeur que je garde précieusement. Et I think it's another great signature scent. Ce que je peux dire, a lot of people say to go slow on it because it can be too much, etc., etc. So ça dépend de ton goût. Pour moi, je trouve que c'est it's fresh and it projects well. Si que nous parlons dans l'environnement côté, you have to be mindful of the people next to you par rapport à ce que vous portez. Then it's a go. It's nice for all occasion. Et comme je viens de dire, it's signature scent worthy. Pour les hommes, j'avais promis 3 parfums, sinon, comme je suis là, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin. 3 parfums pour hommes, pour la saison, qu'est-ce que j'aurais recommandé? Guys, il y a Jean-Paul Gaultier, le beau, qui est une version, je sais qu'il y a la belle pour les femmes, qui est très sucrée, tout ceci, etc. Tandis que le beau, it's very fresh and sexy. Pour moi, it's the, tu sais, c'est pas un macho, non? C'est l'odeur d'un homme. Mature, qui sait ce qu'il faut, qui connaît son impact sur les femmes, and he's just not doing anything. He just have got it, mesdames, you have crazy call you. Et puis, il n'est pas gonflé comme si on mesdames, but he don't just cool down, relax, poser, because he knows his worth, he knows everything, and he knows he is the it. M'a dit ça? Pour moi, c'est le vibe que j'ai de ça. Et I know que I don't necessarily like Hermès, but you fait H24 que moi trouvé que son parfum qui assez frais. Bon, it's a good one to have. Et j'ai dit toi de les AMAF pour homme au lieu d'acheter par exemple Dior Sauvage ou Bleu de Chanel, je vous recommanderais de prendre et le AMAF pour homme, l'eau de parfum intense ou bien on va l'autre AMAF ou me passe un génome. Je recommanderais définitivement celui-là. Et you can't dans la ligne pour faire de Mali, malheureusement encore c'est hors stock. Mais Greenlee, notez, to me is the best of the best of the best actuellement comme signature scent for men. It's a good perfume. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi je propose, it's a very good perfume. Actually, je préfère Dior Sauvage à Eau de Bleu de Chanel, just to be honest. Thank you, Cindy, que tu vois. It's a very, very good perfume. But now, what I have to say is, ce que je viens de vous proposer là, c'est une version orientale que les gens de l'Orient ont fait eux-mêmes. Et les épices sont un petit peu plus fortes, donc un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus dégradées. Et pas quoi bon imitation exacte de bleu de Dior Sauvage dans mon sens. Par contre, le bleu de Chanel, j'ai acheté le color the exact same et I actually do prefer it on him. Li mette le depuis matin 6h 7h du matin, le soir l'heure qu'on s'en va, si beaucoup fond et mal présenté, m'a présenté sous lui, je sens ma vie coquille, je vais faire compliment pour ça. I love it. I really love it on a man. Tellement gain de marque. Au fait, je ferai ça pour les hommes, pour les parler, les présenter les marques orientales que je recommande. Il y a l'aventure. J'avais fait un TikTok d'ailleurs dessus, pas seulement TikTok, un Reels. Vous pouvez me suivre sur la Moumousse et vous allez trouver un Reels de recommandations de parfums que j'ai fait pour les hommes. Et il y avait Bulgari et Sauce Neroli aussi que j'ai recommandé, que je trouve que c'est un très très bon et choix. Encore une fois, je vais vous étonner, je vais mentionner Voyage d'Hermès, parce que ça, ce sont des frais que je pense qu'ils sont très bons pour une collection. But
If you are going niche, Greenly, it's the bomb. Greenly, the parfum de Marley. Et of course, nous connaissons, nous cavons et puis tout bagay, nous pas capable de tirer masterpiece ça, même quand le populaire que tout le monde met, we're gonna have to give it his space. C'est Adventures de Creed. Et dans il y a Irish, is it Irish Spring? Il y a deux trois autres aussi dans Creed yo pour homme que je trouve qui très très bon aussi, qui excellent et qui sont des comme si des fresh fragrances. Moi ce que j'aime dans les fresh, c'est pour cela que par exemple moi mettez des parfums de Marley en eux autant que je veux. Eh bien ça, je te dis, le frère de Jean-Paul Gaultier bleu pas, ça s'appelle Le Beau Chéri. Il est un bel carreau d'homme et un petit peu transparent et puis un petit feuille maple syrup devant. Monsieur, it's super nice. Actually, it's one I have on my list que j'achetais pour Cannes dans ma chambre de somme. Donc j'ai été avec lequel, je me rappelle pas, j'ai été avec un autre qui était un autre parfum intense, beaucoup plus le mal, c'est ça, le mal beaucoup plus profond. But for now, my recommendation for the time being would be definitely Le Beau. It's a very nice and decadent perfume et le prix est bon et ça dure longtemps, ça va vous donner plein de compliments et c'est un parfum qui peut être aussi signature parce que vous mettez le matin ou à soir sans aucun problème. Les parfums que j'ai dit là, les parfums qui peuvent être signature, le Greenly, le Adventus, le Jean-Paul Gaultier dont je viens de mentionner, définitivement worth the hype. Le Neroli Essence, l'essence Neroli de Bulgarie, je ne mettrai pas ça dans un date night. C'est pour cela que je dis ça, mais définitivement, amusez-vous bien. So guys, my time is up, et plus que up and up and up. So, je vais seulement reposer le premier et le dernier. J'espère que je peux avoir couvert tout ce que... Tout ça me tenait là. It was a lot of perfume. Next time, I need to focus. Et puis, aligner un petit peu plus. Dans les jours à venir, on aura d'autres lives. Je vais essayer aussi de faire des reels que je vais re-share sur la plateforme de... Que je vais re-share sur la plateforme de No Filter. Just for the fun of it. Juste pour tout le monde, puisque... Ça fait un bail, mon nom est Iris. Today is a bad day, but don't worry, we are getting through this. Et je suis sur les réseaux sociaux sur le nom de La Momo. Suivez-moi, je suis coach de style et je suis spécialiste en soins de cheveux aussi. Suivez La Peluca. Et puis, c'est ça, on se voit ici normalement tous les jeudis soirs à 9h. Je dis merci à mes sponsors, je vais vous remercier Little Europe et comme vous savez, Organize qui est... mon ride and die for so many things, but mostly for La Momos. C'est l'un de mes partenaires et dans la gestion des garde-robe de ma clientèle. So, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être resté aussi tard avec moi. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Sinon, comme je vous dis, suivez-moi, La Momos, et envoyez-moi un DM. C'est toujours un plaisir de discuter de tout ce qui a rattrait à fashion, soins cheveux, parfum même, c'est pas pareil. Parce que je suis une collectionneuse. Je vous laisse, je vous fais la bise. Bonne soirée, à bientôt.